bonjour, je suis donc David Marandet. Bienvenue à l'atelier du Petit Gourmand et du chalet 4810. Aujourd'hui, on va donc faire une petite vidéo. On va vous présenter la fabrication du praliné qui nous sert notamment à l'approche des fêtes de Pâques, de garnir de Pâques et d'autres préparations. La première étape du praliné consiste à faire un caramel à base de sucre et de glucose. On va le monter jusqu'à à peu près 160 degrés, ce qui nous permet d'avoir une belle coloration. Ensuite, on va plonger à l'intérieur des fruits secs. Donc nous, on prépare notre praliné à base d'amandes Valencia d'Espagne et de noisettes du Piémont. Et donc, on va caraméliser le tout pour obtenir une cuisson parfaite et homogène. Maintenant notre praliné est froid et cuit, entièrement refroidi, on va devoir le passer maintenant au broyage. C'est une opération qui consiste à mixer le sucre ainsi que les noisettes pour faire ressortir la matière grasse, de manière à avoir un praliné liquide et croustillant à la fois. Voilà, donc on a terminé le praliné, donc on obtient une belle texture, bien gourmande, avec du relief, des grains, de la granulométrie, très bon. Et donc maintenant, on va se retrouver au magasin pour voir toutes les productions qu'on va faire, quelques productions qui sont faites à base de notre praliné. Voilà, à tout de suite. Bah donc là, on se retrouve de côté boutique, après le côté laboratoire, on a fait la fabrication du praliné. On se retrouve maintenant dans l'utilisation du praliné au sein de nos productions. Donc là, en fait, je vous présente le Paris Bresse, qui est fait typiquement qu'avec du praliné. Voilà, donc la deuxième utilisation, là c'est dans un entremets, dans un produit à tout le monde. Donc là on voit le praliné qui est utilisé ici, sous forme de crémeux au praliné. Donc maintenant on se retrouve dans la partie chocolaterie, donc là c'est la principale utilisation du praliné. Donc on peut le retrouver ou dans des bonbons de chocolat, ou là justement dans certaines sortes on va retrouver notre praliné qu'on a fabriqué ce matin. Dans les 4810, évidemment c'est une spécialité de notre entreprise, où là vous allez retrouver du praliné. Et dans les œufs de Pâques, donc là on dit là c'est les Pâques, donc en fait on a fabriqué pas mal d'œufs garnis avec nos pralinés. Voilà, cette journée avec la fabrication du praliné plus les différentes utilisations se termine. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de goûter nos chocolats, de bien profiter des fêtes de Pâques, de profiter absolument du bon praliné fait maison. Et donc j'espère que vous tenterez votre chance pour essayer de gagner cette petite boîte de chocolat. Voilà, bonne chance à tous.